bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc une fois n'est pas coutume, je vais vous demander tout de suite un petit service. En fait, je ne sais pas trop comment les démarrer ces vidéos. Parce que si je vous dis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça va rappeler Charlotte et Jérémy de la chaîne The Bad Ruler Forever. Si je vous dis salut les internautes passionnés de voyage et de liberté, ben, ça va me rappeler Philippe de la chaîne Voyage Voyage. Voilà, d'autres ont trouvé un nom pour leur communauté, moi je n'en ai pas pour l'instant. Donc si vous avez une idée sur comment je pourrais démarrer ces vidéos, eh bien je suis preneur. Je l'ai déjà dit et je le redirai. Cette chaîne, c'est une chaîne qu'on espère être la plus interactive possible. C'est votre chaîne autant que la nôtre. Donc ceux qui ont une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, on est reparti du spot de Huesca où on a été posé une journée et demie. Hier, on est allé se balader avec Quentin de la chaîne Pincar Voyageur. Je vous mettrai un petit lien là-haut dans le lit. On est allé se balader donc, dans Huesca, on est allé emmener les enfants au parc de jeux. On est allé boire une bonne bière en terrasse. Bon, il n'est pas très très chaud, mais c'est pas très grave. Adrien, lui, est resté au spot avec Sohan qui n'a pas voulu venir. Adrien donc, a testé sa nouvelle tente de douche qu'il a été achetée le matin chez Decathlon. Et donc là, on est reparti de ce spot assez tôt ce matin à 8h30 parce qu'on avait quand même pas mal de route aujourd'hui. On arrivera dans la journée donc, sur Valencia. Normalement, on y arrivera en début d'après-midi. Donc voilà, on va sur le spot où on était avec Virginie et Michael, vous savez, ceux qui ont les liens blancs. C'est un spot sur lequel eux étaient. Je suis en train de regarder dans le rétro parce que j'ai un 4 qui va me doubler. Je ne sais pas si c'est un bus aménagé, ça. Allez. Ah non, c'est la Guardia Civil. Voilà. Eh bien, ça ressemble à un 4 aménagé. Regardez, rigolo. Un iris bus. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc on se dirige vers Valencia, donc on sera posé dès le début d'après-midi. Demain on va rester sur le spot comme on a fait sur Huesca pour être un petit peu en bord de plage avec les enfants, ça peut être sympa. Et puis on reprendra la route pour aller retrouver donc tous les amis et notamment pour être à l'heure à l'anniversaire de Stéphane des Faufileurs qui fête son anniversaire ce samedi. Voilà. Donc on continue la route, donc derrière moi il y a toujours Quentin, donc le Pincar Voyageur, toujours Adrien de la chaîne Les Délires d'Adrien, mais également là-haut dans le lit. Et n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Bon là Quentin, ça fait un petit moment qu'il n'a plus rien fait, mais malgré tout ça reste une chaîne sur laquelle il y a beaucoup de conseils sur l'aménagement à l'époque de son car aménagé, qu'il a revendu depuis, et donc maintenant il roule avec une semi-aménagée. Et Adrien, donc de la chaîne Les Délires d'Adrien, où on voit un petit peu de tout. Alors c'est assez rigolo parce que vraiment c'est très diversifié comme chaîne. C'est quelqu'un qui aime bien rigoler, qui aime bien les délires, qui aime bien casser des voitures, mais ça je vous laisserai découvrir sur sa chaîne. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous comptez vous plaît à l'une de ces deux chaînes ou ces deux chaînes, allez vous abonner. Voilà. Allez, moi je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, comme d'habitude, Valérie vous filme de la route dès qu'on voit des points sympas. Allez, à plus tard! Valérie et Patrice, c'est nous. Aujourd'hui, on a 50 ans. De notre union sont nés 5 enfants et 2 petits-enfants. En 2013, nous avons décidé de faire un tour de France à pied avec 2 ânes. Et puis, on a acheté un camping-car. Depuis, nous avons acheté l'année dernière un car que nous avons décidé d'aménager. Notre devise, parce qu'on n'a qu'une vie. Bon allez, ce matin, on fait un tour au Décathlon de Huesca. Moi, il faut que je rachète des fringues. Adrien, lui, doit aller acheter de quoi se doucher. Hein, ça peut servir. Voilà, donc nous, on est venu avec la petite voiture. Donc Quentin est monté avec moi. Et Valérie est montée avec Adrien, voilà. Et si, juste une chose, on vient de passer devant une station de gasoil. Et le gasoil était à 1,50€. Voilà, ça vous donne une idée. Bon alors, ce matin, on est parti
Ben vous avez vu, notamment au Décathlon, on était dans un magasin chinois, alors par contre qui était extrêmement cher. J'ai re-nettoyé l'intérieur et l'extérieur de la petite voiture. J'espère que ce coup-là, ça va tenir un petit moment. Mais regardez en fait, la remorque, je vous montre de près. Elle est pourrie, elle n'a jamais été dégueulasse comme ça. Et le car que je venais de nettoyer, regardez. Regardez les belles traces. Regardez comme c'est propre. Génial, hein. Je suis très content, faut tout recommencer. Bon, allez, c'est pas grave, pour se réconforter, eh bien, un petit barbecue ce midi. Et puis, bon, pour se laisser abattre, on a acheté à Alcampo, donc c'est Auchan ce matin, cette bouteille de vin, là, donc j'en ai pris 4. On va tester, j'espère qu'elle est bonne, mais je l'ai pris parce qu'en fait, elle venait de changer l'étiquette, elle passait à 1€ la bouteille. Donc, si elle est bonne, ben, c'est cool. Si elle est moins bonne, ben, j'en ai 4 à boire. Ça, c'est moins bien. On va se faire des petits chorizo. Un peu de charcuterie. Un petit peu de cacahuète et du pastis du vol. Heureusement qu'il est là, ce garçon. Hein, sinon, j'aurais même pas de jaune. Et en plus, on a regardé le campo. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, ouais. Du tout. Pas de Ricard, pas de pastis, rien. Voilà. En plus, on a l'homme qui s'occupe du barbecue, impeccable. Bon, du coup, on s'est mis au soleil, hein. C'est quand même mieux. Montre pas celui qui fait le barbecue. Alors, je vais essayer de vous filmer. Putain, je la vois pas. Ah, si, je la vois. Hop, la cigogne. Alors, j'espère que vous la voyez. Yep. Voilà, elle est là. Alors, je zoome, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, c'est une cigogne et là-bas, j'avais déjà filmé, mais en haut des poteaux électriques, là, il y a 3 nids. Voilà, de cigognes. Bon, allez, on va se faire une petite promenade. On va aller découvrir la ville de Huesca. Enfin, on va faire découvrir à Vic et Quentin et leur fille la ville de Huesca, puisque nous, on y est déjà allés. Faire une petite balade, voilà, ça va être sympa. On va emmener les jeux. On va emmener les enfants au jeu. Et voilà. Allez. Bon, allez, on s'approche de la ville. Et voilà. Encore un petit peu de marche. Et puis on y sera. Allez. Bon, ça doit bouger un peu. Tenir comme ça. Allez, on arrive à nouveau dans la ville de Huesca. On est à côté, hop, un petit plan d'eau. Ah, ça sort par là. Ah, une sculpture avec des boules, je ne sais pas ce que ça représente. Et on va aller voir les petits vélos, là, si c'est comme on me l'a dit, pour recharger les téléphones portables ou pas. Parce que dans les commentaires, c'est ce qu'on m'a dit. Je vais aller vérifier ça. Hey, je vais regarder. Donc en fait, là où on a les pédales, c'est pas du tout pour recharger les téléphones. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit dans les commentaires. Donc bon, peut-être que ça, et certainement que ça existe. Mais en tout cas, ceux-là ne sont pas faits pour recharger les téléphones. Voilà. Bon, on va laisser les enfants jouer un peu. Nous, on va aller se poser sur les bancs, comme on avait fait il y a quelque temps. Voilà, là c'est sympa. Regardez les poubelles. Hop, il y a le tri. Ça c'est cool. Allez, bon, on va se poser sur le banc et on va laisser les enfants aller jouer un peu. Allez, au mois de novembre, je l'avais fait. Je vais le faire avec le téléphone ce coup-là. Et hop là. Allez. Incroyable, c'est YMCA. Vous avez vu ? YMCA. Et là, ils ont la crousse, oh, la croix rouge. Ouais, comme en France. Regardez un peu ce que j'ai vu en Espagne. Ils ont la hampe. Vous connaissez ? Bon, allez. Petit moment en terrasse. On doit être les seuls couillons en terrasse parce que franchement, il fait pas très chaud. Et on a hâte d'arriver sur la côte.
parce qu'ils annoncent quasiment le double en température de ce qu'on a ici. Donc ça va faire du bien. Bon allez, je viens de se refaire un petit nettoyage vite fait du car, parce que vraiment il était dégueulasse. Que j'aime pas ça, donc voilà, c'est fait. Là, Quentin, lui, il lève sa cabine, histoire de voir le niveau d'huile. Voilà, on va regarder ça. Voilà, c'est bon, la cabine est levée, et on voit le moteur de la bête. Un petit peu. À 430 chevaux. Si j'avais ça sur le car, ça serait génial. Voilà, un beau bébé. Il va faire son niveau d'huile pour demain. Puisque ça y est, on repart de Huesca et on se dirige du côté de Valencia. Voilà. Bon allez, petit coucher de soleil. Voilà, on vient de finir de tout remballer, comme ça on est prêt à partir demain. Quentin a remis son car en route parce que ses batteries sont un peu faiblardes, donc pour être sûr que demain matin, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on a le droit à la petite binouse. Voilà. Alors, regardez, dans le petit écran de la caméra de recul, donc juste derrière moi, ben c'est Quentin là, qui est en train de se faire doubler par un autre camion, MAN. Hop, je le remonte dans le rétro, je ne sais pas si vous le voyez. Et donc toujours derrière Adrien. Voilà. Allez, je vous montre un peu les paysages. C'est sympa là, les montagnes en face, là, la couleur assez rouge là. Petite vue sur le tableau de bord. Et voilà. Donc toujours sur l'autoroute, tranquillou. Il nous reste 2h30, 230 km. C'est quasiment que de l'autoroute, donc ça c'est impeccable. Ça roule. Allez, on se rapproche. Ah, là-bas, je vois l'ami Adrien dans le rétro, derrière, avec le toit blanc. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur les sapins, il y a plein de petits points blancs. Et en fait, tout ça, c'est des nids de chenilles professionnelles. Voilà, il y en a partout. Bon, ben voilà, nous voilà posés donc... On est encore à 150 km, je crois, de, ouais, c'est ça, à peu près de Valencia, donc 1h30 de route. Voilà, donc ben Adrien s'est posé juste à côté. Et là-bas, hop, je ne sais pas si vous allez le voir, avec la bande jaune en haut, c'est Quentin qui est en train de faire le plein d'eau. Voilà. Et nous, ben, petit casse-croûte le midi, vite fait. Voilà, on mange des bananes. C'est une petite guenon. Non, c'est pas une petite guenon. Ça te rappelle quelque chose? Tais-toi. Tu m'énerves. Penché? Oui. Allez, on a Quentin et Dick à côté qui sont prêts pour le départ. Adrien aussi. Allez, la pression d'air est remontée. On est presque à 8 bars. Impeccable. Et bien, je peux rouler. Watching you.
regardez juste derrière, maintenant c'est plus Quentin. Alors, je sais pas si vous le verrez là dans la caméra de recul. Hop, je vous le montre dans le rétro. C'est Adrien qui est passé entre nous deux. Voilà. Ouais, je pense qu'il en avait marre de voir un gros cul devant lui. Voilà. Allez, ben, on continue la route. Là. Et donc, bon, ben, ça fait un petit moment là qu'on est reparti. On s'approche de Valence. On est à 50 km Valence. Hein. Je vais me faire engueuler par Mamie Nomade, surtout que je la vois vendredi. Donc, ben, c'était juste pour vous montrer la température extérieure. Regardez. Et là, je ne me trompe pas. C'est bien l'extérieur. 17. 16 à l'intérieur. Donc c'est impeccable, regardez, grand ciel bleu, soleil, 17 degrés, là, ça commence à sentir bon. On va continuer à descendre et regardez, la température elle monte. Alors on a pris un petit degré, 18, mais c'est important à ce niveau là, c'est important. 18 degrés, et l'arrivée, il va être 14h, donc ben, c'est cool, c'est cool. Normalement, on devrait gagner encore un tout petit peu avant d'arriver. Allez, et bien plus tard, une petite pensée à tous nos amis restés en France. Je vous montre la température, on vient reprendre un degré, donc 19 degrés. On est à 20 km de Valence. Donc c'est cool, ça fait du bien. Un beau ciel bleu, un beau soleil, et une température cool. Et s'il fait bon soir, on pourra manger dehors, ça serait bien, impeccable. Allez, ça y est, on est posé donc à Valencia, voilà, sur le spot où on était avec Mickaël et Virginie. Donc voilà comment on est posé. Le camion d'Adrien. Vous y allez tous là ? Le camion de Quentin. Et voilà, on est posé au bord de la mer. C'est cool. Alors, c'est pas cool ça ? Petit repas dehors le soir. En bord de mer. Bon, il fait pas très chaud. Mais ça va. Bon, vie qu'elle a tout le temps froid. Ça doit être comme la mienne. Ah oui, regardez. L'écharpe, tout. Bah oui, j'ai froid. Mais c'est bon là. Alors que Quentin, on dirait il a juste la veste de jogging. En dessous, en fait, il est cul nu. Ouais, ça, vous le voyez pas, il y a la table. Même pas de slip. Adrien fait pareil. Il est cul nu, pareil. Impeccable. Il y a que le torse qu'on chope froid. Hein. Les orteils. Non, on dit bien on se gèle les couilles quand même. Ouais, mais il fait pas assez froid pour se geler les couilles, c'est bon. Alors, chez nous, les enfants ont fini de faire leurs devoirs. Donc maintenant, ils font un petit peu de leurs instruments. Donc la batterie électronique pour Sohan et la guitare pour Alizé. Moi, je viens de faire bon, des toutes petites bricoles. Là, c'est surtout du rangement. Donc, hop, là, je suis en train de charger les trois trottinettes. Voilà. J'ai nettoyé un peu la soute, un peu rangé, refixé les chargeurs là des trottes. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir qu'est-ce que font les autres. Donc là, on a le camion d'Adrien. Il a fait son petit ménage. Et qu'est-ce qu'il nous fait de beau là? Qu'est-ce qu'il nous fait de beau, Adrien? Je range. Ah, c'est bien, ça sert des fois. Ménage. Allez. Ouais, l'ami Quentin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours en train d'enlever le covering jaune, jaune-orange, bizarre. Hein. Et ben, regardez, il se fait chier à tout enlever. La lame de cutter. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, il a fait toute la semi comme ça. Donc il a dû s'amuser ce garçon. Hein, t'étais content? Ouais, tu l'es toujours. Hein? Pourtant j'ai dit jamais quelque chose qui a du covering j'achète. Ouais. Tu vois, on dit jamais en fait. Ah Marley, t'es heureux? Hein? Marley tout. Marley. Alors, Marley. Ben alors, Marley. Mais qu'est-ce qu'il t'a? Ouais, qu'est-ce que c'est? Ben alors. Regardez, il va faire beau aujourd'hui, il y a les singes qui montent aux arbres. Et j'ai une plante qui pousse dans le toit. Ah merde. C'est du cannabis, non? Non. Fais gaffe, hein, parce que le passage au Maroc, ça va être compliqué. Ça serait con, là. Alors, regardez un petit peu.
Ah, du soleil. Alors regardez, je suis en short, pieds nus. Impeccable. Impeccable. Ouais. C'est nickel. Voilà, un petit goût de pastis. Moi, je suis encore à l'apéro. Ils me ont déjà mangé. Voilà. Et sinon, Vic, t'as un truc à dire à YouTube ou pas là? Qu'on va aller se baigner tout nu. Ouais. Bon, allez, ça y est, nous la poser à la plage. La petite Lia avec Swan qui joue. Marley s'est couché. Mes filles, les grandes, bah tiens, elles sont là-bas sur la jetée. Derrière, on a le port de marchandises de Valencia. Voilà. Et du coup, on est posé là, comme ça. On va aller voir de la plage. Et il fait beau, fait pas très très chaud. Il y a un petit vent assez frais. Et puis, je sais pas si vous voyez, mais... ça croise au large là. Des petits voiliers là-bas. Hop. Des bateaux, surtout des bateaux de la famille. Voilà. Ouais, ça fait du bien de retrouver la mer. Hein. Allez, on va regarder la manœuvre. Comment il enquille le tracteur dans la semi. Impeccable. On voit qu'il a l'habitude, ce garçon. Hein. Et ce soir, c'est petite soirée hamburger fait par Victoria. Merci. Elle est. Donc, et puis, comme on est des gros, et ben, il y en a encore. Voilà. Allez, bon app. Hein. Bon app. Bon app. Bon app. Bon ben on espère que cette vidéo vous a plu, donc ben n'hésitez surtout pas, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner, c'est gratuit. Pensez à activer la petite cloche des notifications, c'est important hein, pour recevoir toutes les notifications des sorties de vidéos, hein, puisque en ce moment on est sur un rythme de 2 vidéos par semaine, on va essayer de tenir ce rythme là. N'hésitez surtout pas donc également à nous mettre un petit like, vous savez que ça fait plaisir et en même temps ça aide au référencement de la chaîne, donc par rapport à l'algorithme de YouTube. Mettez-nous un petit commentaire, je me fais un grand plaisir à répondre à l'ensemble d'entre eux. Puis pour ceux qui ne le savent pas encore, mais en fait, si vous cliquez sur ignorer l'annonce des publicités, eh bien les créateurs de contenu, on n'est pas rémunérés au niveau de la publicité. C'est ce qui nous fait quelques petits centimes pour faire marcher la chaîne. Acheter du matériel pour améliorer le contenu sur cette chaîne. Et puis demain, peut-être, c'est ce qui nous servira aussi à pouvoir continuer le voyage. Voilà. Bonjour, bienvenue dans ma petite boutique Les Créations de Valérie. Vous pouvez y trouver des arbres de vie, des attrape-rêves, également d'autres réalisations en macramé. Pour toute commande, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail micryluc@gmail.com. Micryluc, micryluc@gmail.com. Merci, à bientôt. Voilà, et autre chose donc que vous pouvez nous commander, donc c'est pareil, c'est toujours à prix libre, les stickers, donc carapates.